La fonction publique dont nous célébrons la journée en ce présent moment est considérée comme étant une grande école. Cette école, vous l'aurez compris, a comme adepte les fonctionnaires. À l'intérieur de celle-ci, des valeurs sont partagées en vue d'aboutir à la performance axée sur l'efficacité, l'efficience et la productivité. Ainsi, comme dans les écoles ordinaires, on intègre la fonction publique et on y reste pour y passer du temps, du bon temps. La classe est continuellement constituée par des fonctionnaires dont la force, la vigueur et l'assiduité se renouvellent de génération en génération. Réserver une journée aux fonctionnaires, c'est comme attribuer le bulletin d'honneur aux intrépides dans leurs tâches. C'est comme décorer les guerriers après la bataille gagnée. Une seule journée de célébration pour les citoyens qui ont passé leur jeunesse, leur âge adulte et pour certains leur blanche vieillesse à cette grande école qui transforme. Ainsi, ne devons-nous ménager aucun, vraiment aucun effort à soutenir par de l'encouragement le dévouement manifeste de nos fonctionnaires. Le bras pour faire fonctionner la grosse machine de l'administration n'est autre que les fonctionnaires. À ces fonctionnaires, l'on reconnaît la technicité, la routine et l'aisance pour atterrir dans des dossiers complexes. Le travail fourni par un fonctionnaire soucieux de son boulot vaut son pesant d'or. Dans un contexte où la fonction publique confronte à une concurrence rude du secteur privé des affaires et des organismes internationaux, il nous revient d'apprécier à sa juste valeur le choix ô combien judicieux de ceux et de celles qui ont décidé de mettre leurs compétences au profit des usagers du service public. La même considération tient pour les fonctionnaires qui, contre vents et marées, et en dépit de l'insécurité, continuent sans aucune forme de procès à parcourir des kilomètres via des voies détournées et dangereuses à venir quotidiennement dans leur poste de travail. Ici, au ministère du Tourisme, nous reconnaissons l'immensité de tels actes sans prix. Le thème qui nous est soumis cette année se porte sur une fonction publique rénovée au service des usagers. Il s'agit là d'un triple appel à comprendre sous l'angle de la rénovation du service et du service aux usagers. Rénover parce que la fonction publique doit marcher au diapason avec le temps high-tech d'aujourd'hui. Il faut dématérialiser certaines pratiques administratives qui ne tiennent pour migrer vers le numérique un nouveau savoir-faire. Toute société de droit est régie par des lois et le ministère ne peut pas se soustraire à cette exigence qui découle notamment de la Constitution, du décret portant organisation de l'administration publique et du décret portant révision du statut des agents de la fonction publique. Ces textes ont poussé le ministère à rédiger le règlement intérieur. C'est un document qui définit en quelque sorte les droits, les obligations et les devoirs de chaque agent de la fonction publique, de chaque personnel, de chaque individu du ministère. Ce document se veut être aussi un guide, une boussole pour permettre de créer la bonne conduite au sein du ministère, créer une ambiance de vivre ensemble, que chacun puisse connaître leurs droits et leurs obligations. J'invite en cette journée de la fonction publique tous les agents du ministère à considérer ce document comme un document de référence, un livre de chevet tout au long de leur carrière au sein de ce ministère. C'est un document qui comporte 12 chapitres. Il y a une trentaine de pages dans ce document. Normalement, ce n'est pas un travail fini, car tout le monde le sait, dans toute œuvre humaine, il y a des imperfections.
On va soumettre ce document à chaque directeur, chaque coordonnateur et chaque chef de service afin qu'ils puissent produire leurs remarques et leurs suggestions. La fonction publique regroupe l'ensemble des agents, comme je disais, qui occupent les emplois d'État, les collectivités territoriales et certains établissements publics hospitaliers. En ce qui nous concerne, au ministère du Tourisme, nous sommes au service de l'État haïtien pour veiller au bon fonctionnement et à l'avancement et à l'expansion de son tourisme. Notre mission est d'assurer les intérêts du pays sur le plan touristique et par ricochet le plan économique. Il est clair qu'une tête n'est rien sans son corps. L'institution du ministère du Tourisme d'Haïti en soi ne peut accomplir la mission qui lui est assignée sans les fonctionnaires qui s'activent à tous les niveaux pour faire marcher la machine à l'échelle locale autant qu'à l'échelle internationale. La fête de la fonction publique est l'occasion de célébrer, mettre en valeur et récompenser tous ces acteurs qui travaillent au quotidien dans divers départements. Sans l'aide particulière et l'expertise de chacun, nous n'aurions pas pu parvenir aux résultats obtenus ces dernières années. Aujourd'hui, je prends le temps de remercier en mon nom propre et celui du Premier ministre Ariel Henry que je représente, chaque employé qui pendant plus ou moins longtemps a mis son temps, son talent, sa bonne volonté au service du ministère du Tourisme en particulier et du pays de manière plus générale. Votre labeur, en des temps comme ceux que nous vivons, n'est pas passé inaperçu et vos efforts n'ont certainement pas été vains. Sachez que vous êtes grandement appréciés et qu'à quelques niveaux que vous opériez dans la grande machine institutionnelle. C'est également une occasion pour moi, spécialement, je reprends, de remercier tous ceux et celles qui m'ont épaulé durant ces dernières années. Et la rencontre d'aujourd'hui se veut également un prétexte d'honorer ceux parmi vous qui se sont démarqués, bien que tout le monde s'est démarqué, mais au moins on n'a pas pu honorer tout le monde. Donc, sont démarqués par leur long passage dans la boîte et par leur enchaînement au travail ou par leur présence remarquable et leur convivialité tout simplement. Vous avez semé et aujourd'hui vous méritez vos lauriers. Continuons à œuvrer dans le sens de la croissance, du renouvellement et de l'essor du tourisme haïtien de la face du monde. Et au nom d'une Haïti meilleure et de l'endemain plus beau.